Chers amis, bonjour, et Topolème, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une trilogie, mais je n'ai pas encore vu la trilogie en entier. Alors on va parler d'un des films et puis je vous parlerai plus tard des deux autres lorsque je les aurai acquis. Et nous parlerons de la trilogie au final. Aujourd'hui, je veux parler de Piedalu, député de la trilogie, et donc de Pied d'Alu, c'est un homme simple, un homme de la campagne qui, dans ce film, est maire. Il a été élu apparemment dans le film d'avant et qui va se présenter à la députation. Alors pour quelles raisons se présenter à la députation Eh bien parce que l'ensemble de son conseil municipal veut se présenter à la députation et que le peuple lui demande à ce que ce soit lui. Piedalus, c'est vraiment un homme simple, un homme du peuple qui a des réflexions extrêmement simples, qui dirige relativement bien sa ville. Bien sûr, c'est un gaffeur, un farceur, notamment avec les femmes, et tout ça va donner beaucoup de comiques. Il va monter à Paris, vous avez des scènes de danse absolument extraordinaires. De ce rock que l'on ne danse plus aujourd'hui, des jeunes femmes qui virevoltent partout. Il va se faire piéger, mais il va être sauvé par son futur gendre, parce que Piedalus a une fille, et un homme est extrêmement amoureux de cette fille. Il va être sauvé, entre guillemets, par son futur gendre, mais on pense bien qu'il aurait pu être sauvé autrement. Piedalus, c'est un homme simple, c'est un homme pragmatique qui résout les problèmes de manière pragmatique, problèmes parfois difficiles, et la résolution de ces problèmes. Tout aussi admiratif que nous allons être, nous hommes spectateurs, parce qu'il nous serait impossible à nous de résoudre ce genre de problème, surtout en hein, une journée, vont nous faire rire, parce que, bien sûr, il y a beaucoup de sketches dans ce film. C'est une comédie française, et donc, euh, bien évidemment, on va beaucoup jouer là-dessus. Piedalus, euh, c'est une idée originale d'un homme que l'on a oublié. Bourville disait dans une interview que le nom des acteurs s'efface contrairement à ceux des peintres ou des sculpteurs et que bientôt on ne se rappellera plus des acteurs de sa génération. Bien sûr, on se souvient de Bourville, de Fernandel, on se souvient de Gabin, de Louis de Funès, ces acteurs de cette génération, mais si je vous dis Des Rizel, alors là, il va y avoir un blocage. Parce que vous ne vous rappellerez plus de Des Drizel, il a fait six films dont trois pieds d'alu. C'est un chansonnier, c'est un parolier, il écrit ses propres dialogues majestueux, dialogues magnifiques. Ce film est tout bonnement euh, sympathique parce que le personnage est très sympathique, ce film est très bon parce que les sketchs sont très bons, ils nous font rire, ils sont parfois simples dans le mot, dans le geste. Mais cette simplicité suffit. Ce film est militant parce qu'il va y avoir beaucoup de connotations politiques et de messages politiques. Rien que pour le plaisir, j'ai envie de vous lire le programme de Pied-Dalu à la députation simple, poétique, et proche du peuple et un pamphlet pour la politique des années 1950. Le film date de 1953 ou 1954, à ces années où il sort. Rendre justice à tous dans le respect des opinions de chacun. Peut-on faire plus simple qu'un programme, rendre justice à tous dans le respect des opinions de chacun Je ne trouve pas que l'on puisse faire plus simple et puis en même temps piquer le politique tel qu'il était à l'époque et tel qu'il est maintenant. Parce que maintenant aussi, nous avons des politiques qui sont parfois farfelues et qui ne tiennent pas leurs promesses. La promesse de pied Piedalou est très simple, rendre justice. Et on voit qu'en tant que maire, d'ailleurs, il rend justice pied a rappelé un film, Le président d'Henri Verneuil. Pourquoi est-ce que je vous parle du président d'Henri Verneuil Parce que finalement, le président, joué par Jean Gabin, 1963 en Riverneuil, ce président-là, c'est le président que l'on rêve d'avoir. Président de 4 Quatrième République que l'on rêve d'avoir. Et d'ailleurs, Gabin le dira, s'est inspiré d'un certain nombre de personnalités politiques de son temps. Euh, pour euh, définir ce personnage-là, et on aimerait avoir un homme poétique aussi honnête, un président aussi honnête. Et puis, Piedalus, finalement, c'est le maire aussi honnête que l'on rêve d'avoir. Piedalus, député, le, le dernier de la trilogie, donc on ne sait pas comment il sera en tant que député, mais c'est le maire que l'on rêve d'avoir, un maire qui travaille, on le voit souvent au travail, un maire qui se méfie des autres politiques, un maire qui se méfie quelque peu de la religion, bien que le prêtre va l'aider. Euh, mais sans trop s'en méfier non plus, un, traite, un, un traître, un, un homme, un maire qui aime le peuple, mais qui l'aime vraiment en passant ses journées au bar avec lui, en travaillant pour lui, en aidant d'ailleurs. Je, je vous dis vraiment, les scènes où il aide sont, euh, sont magnifiques. Les scènes où, où il aide sont, sont magnifiques. Et donc, euh, il est impératif de, de redécouvrir. Ce film, il est impératif sans doute de redécouvrir cette trilogie, de la redécouvrir parce que Dardèsel réalise des films magnifiques. Les réalisateurs, les scénaristes, certains dialogues sont succulents, vraiment succulents, sont sublimes. On pique la politique, on réfléchit à la politique. Qu'est-ce que l'homme politique idéal Finalement, l'homme politique idéal proche, c'est pieds d'alu. C'est cet homme-là qu'il nous faut. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà un nouveau chef-d'œuvre du cinéma français à redécouvrir. C'était Topolin pour, pour vous le faire découvrir. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, vous pressez le pouce bleu, vous mettez un commentaire, vous vous abonnez, vous activez la cloche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et au revoir.